Adam Beaumec et Elvinois ont pris la chambre 121 dans une Aston décapotable. Ils sont venus avec du vin, des biscuits secs, de l'eau potable. Ils se tenaient main dans la main. Eve a laissé sur l'oreiller larmes de sel et de rimmel, son bel amour ensoleillé, et dans les draps entortillés, la fleur de sang de ses 16 ans. Entre 6h et 7h20, un homme en noir, chambre 23, habillé sur son 31, Colt 45 dessus la table, fumant les ronds de tabac brun, en chapeau mou imperméable, vient de tuer son vieux frangin. La jalousie a ravagé l'arbre de fiel et de querelle, une jeunesse submergée de haine et de crimes mensongers. Chemin du crime et de l'abîme, dans le motel Saratoga, dans le motel Saratoga. Entre 6h et 7h20, Marie l'étoile née à Riga et son mari Joseph Blanchard venait fêter inséparable 100 ans d'amour et de chagrin, finir enfin leur vie friable, salée et sucrée au creux des mains. Leurs souffles morts font grésiller larmes de cire et de soupir, les doigts d'argent du chandelier qui veille un sommeil singulier d'apaisement et de tourment. Chef des flics et ses petits gars, ah, sont arrivés en Renault 20. Y'avait du sang dessous la table, le corps d'un des hommes équins, et l'assassin très respectable, Monsieur Abel tendant ses poings. Marie-Joseph chambre à côté, larmes de pierre et de poussière, s'embrasse pour l'éternité.